Hashem sur la Hiloula de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Srutu Ktagan Anun, la Gemara nous dit dans Maseret Megillah Bedaf Yud Gimel Amud Alef que Moshe Rabbeinu est justement mort le 7 de Hadar et est né le 7 du mois de Hadar. Normalement, on aurait pu comprendre le contraire. On est né d'abord et ensuite on meurt. Mais la Gemara vient nous enseigner que, en fin de compte, Moshe Rabbeinu en réalité est né le 7 Hadar, il est mort le 7 Hadar, il est revenu à la vie le 7 Hadar au Har Nevo. Le Har Nevo, disait Chachamim, pourquoi d'Avka cette montagne? Parce qu'elle enferme en elle deux secrets. La première, c'était qu'elle était en face de Baal Peor, un centre d'Avodazara extrêmement puissant dans son énergie négative qui trompait les esprits des hommes et qui leur faisait faire de l'Avodazara. Donc Moshe se tenait en face. Chaque fois que se levait Baal Peor, se levait Moshe Rabbeinu. Puis la deuxième chose, c'est l'étymologie du mot Nevo, Nun Bo, qui veut dire que Moshe Rabbeinu, lui qui avait atteint de son vivant le 49e palier de pureté, avait atteint le 50e le jour de sa mort. Ceci étant, il faut savoir que nous avons aujourd'hui, dans cette année, deux mois de Hadar, c'est une année bissextile, et il y a une marloquette à savoir quand est-ce que Bémet ont fait la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Selon Mishnah Brura, Kayadoua ont fait, et pas que le Mishnah Brura, et d'autres références, ils le font le Aleph du mois de Hadar. C'est en tout cas le minag de nos frères Ashkenazim, il y en a qui disent que c'est le minag des Juifs en Chutz La'aretz. Et pourquoi Davka en Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël? Eh bien, parce que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc, ils ont l'habitude de le faire le 7 du mois de Hadar Aleph. Tandis que nous, les Sfaradim, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef, Shibadel, Alava Shalom, plutôt que Shibadel Chemokim, Zebaro, Raval, vu la situation à Alava Shalom, eh bien, ce sera le 7 du mois de Hadar Bet, Samour, les Pessah. Puisque, comme Moshe a été le libérateur du peuple d'Israël en Égypte, Mordechai, et le libérateur avec Esther des Juifs en Perse. Et Tamid Moshe Samour Elav. C'est pour cela que le Minag. Samour, ça veut dire quoi? Ça veut dire on met toujours la mort de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, comment dire, 8 jours avant Purim. C'est toujours ensemble dans la tradition juive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le mieux à faire, c'est de faire un semblant de Hiloula de Moshe Rabbeinu le 7 du mois de Hadar Aleph et de vraiment faire le demi-jeûne, comme on a l'habitude de le faire, pour ce tzaddik exceptionnel. Réincarnation du 5 âmes, le 7 du mois d'Adar numéro 2. Par contre, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est que si vous avez un anniversaire à fêter, par exemple, par rapport à votre année, si vous êtes né dans un mois de Hadar normal, alors ce sera le Hadar Bet que vous devrez fêter cet anniversaire. C'est pareil pour les décès. Si une personne est décédée pendant un mois de Hadar, comme Dougma, le 8 Hadar, d'une année normale. Alors ce sera le 8 Hadar d'une année bissextile, c'est-à-dire le deuxième mois de Hadar qui est le vrai mois, pour pouvoir faire cet anniversaire. Par contre, si c'est le cas comme mon fils aujourd'hui qui fête son anniversaire le 7 du mois de Hadar Aleph, parce qu'il est né le 7 du mois de Hadar Aleph. Donc dans ce cas-là, on reste dans les mois par rapport à la naissance, si c'était aussi une année bissextile. La question, je finirai juste avec cela. Pourquoi Dafka, le 13e mois, en fin de compte, le numéro 2 de Hadar, c'est le 12e? Normalement, quand on rajoute quelque chose, on rajoute sur ce qu'il y avait avant. Donc, de façon chronologique, on aurait dû dire que le premier mois de Hadar, c'était le vrai mois, le deuxième, c'est un rajout. Dans ce cas-là, on ne peut pas le faire. Et pourquoi? Parce que nous avons un klal, une généralité, où il doit toujours y avoir 30 jours entre Purim et Pessah. Et il y a une grande signification à cela. On sait que Moshe Rabbeinu a 30 jours avant Pessah enseigné les lois de Pessah, eh bien, on doit être samour, c'est-à-dire être collé de 30 jours et non pas de 45 jours. Car si le premier mois de Hadar aurait été le vrai mois de Hadar, on aurait eu 2 semaines plus encore un mois avant d'arriver à Pessah. Et la reine, le deuxième mois de Hadar sera le mois où on célébrera aussi bien pour nous les Sfaradim le 7 Hadar de Moshe Rabbeinu, puis le 14 Hadar pour toutes les villes, sauf qui sont au Kafot Roma, comme Jérusalem, Akko et autres, où ce sera le 15 du mois de Hadar. Bête, on parle de Purim bien entendu. Voilà. Shiniske Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, et celui qui a fêté, comme ça a été annoncé un peu dans tous les réseaux sociaux, la Hiloula de Moshe Rabbeinu, à mon humble avis, il ne se fâchera pas de savoir qu'on fête tous les jours sa Hiloula. Kol Tov.